Vache, putain, ça chauffe là-dedans. Nous vous avons raconté successivement cette histoire totalement invraisemblable, mais parfaitement vraie. La huitième était le pur fruit de notre imagination. Salut à tous et aujourd'hui dans cet épisode on va s'intéresser à comment on ouvre une porte. Oui, c'est tout à fait sérieux. Comment on ouvre une porte. Et malgré l'apparente stupidité du sujet, je vous invite quand même à vous accrocher. Parce que cet épisode va quand même être un peu ardu. J'ai la chance notamment d'être aujourd'hui avec monsieur Mister Marquinhos, dit le Marquis. Alors, je le dis comme ça, ça m'énerve. Bravo, bravo, ça m'énerve. Merci beaucoup. L'homme dont on va parler aujourd'hui est le plus brillant des chimistes du XXe siècle. C'est un effroyable fils de pute. Ce mec a sauvé plus de monde que personne avant lui. C'est un criminel de guerre, un criminel contre l'humanité, c'est un assassin en masse. Brillant, un c***ard, un génie. Ça va pas être simple. Fritz Jacob Haber. Yeah.
En effet, les autistes semblent totalement coupés du monde. Pour autant, il faut bien comprendre que c'est une condition qui peut évoluer si elle est prise suffisamment tôt et si elle est traitée par des gens qui sont compétents et qui savent comment faire. Pourquoi Internet est-il le royaume des chats ? La toxoplasmose, c'est une infection parasitaire. Qui dit parasitaire, dit parasite. Il y a un peu plus de 2200 ans, un type a mesuré la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau. Bienvenue dans la preuve par vieux. Dans lequel le fait que la diagonale d'un carré ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction provoque des suicides collectifs. Ces mecs-là, ils rigolaient pas avec la géométrie. Mais je veux qu'il soit porté à son crédit le fait que, au moins une fois, il a fait une démonstration qui a littéralement entraîné des suicides collectifs. Vous vouliez un épisode sur Aristote, vous l'avez.